Salut tout le monde, hello! On se retrouve sur les fourmis, The Hunt. JCJ. Solo, où on gère une colonie de fourmis. Attention, attrition. Attrition. C'est pas plutôt attention? Non. Alors que vous perdez un nid la légion qui est attachée s'épuise lentement. Le seul moyen de la sauver est de la reconstruire à nouveau. À nouveau là où vous pouvez. Ok. Nous voici. Turbo boost. Appuyez, maintenez, visez lorsque votre cible appuyez sur un pour vous permettre de donner un orbe à la Légion. Je suis commandant. Ok. Ah, j'emmène du pauvre. Donnez l'ordre aux artilleuses de se déplacer à la zone verte. Ok. Ennemis en vue. Sélectionnez vos guerriers et attaquez. En avant. C'est plutôt bien fait, hein. Regarde-moi ça. Les artilleuses. Les gendarmes, approchez-vous du nid ennemi pour le détecter. Une fois le nid détecté, le point d'intérêt sera marqué d'un point d'interrogation si vous êtes loin. Si vous avez la zone verte, vos artilleuses à la zone verte et les guerriers sur le nid. Capturez le nid. On va se mettre là pour regarder l'attaque. Mauvaise coordination, les artilleries ont pas suivi. On est en train de perdre des unités. Il y a de la thermite qui vole. L'artilleuse. Capturé, déplacez-vous vers le nid. C'est drôle. Ok. Alors. Défense. Ouais, on va faire des défenses. Ok. Artilleuse. Bah là, on va faire les deux, hein. Quitte à faire. Marcher vers la Légion. Vers la section de Légion. La Légion. Construire. Amélioration des ouvrières. Ok. Maintenez X pour passer le temps plus vite. Ah, ok.
Ok, cliquez sur l'icône pomme de pain, pomme d'épine, et envoyez les ouvrières. J'imagine qu'il faut que je les défende. J'ai vers l'objectif, cliquez X. On va mettre en position. Jusque là, on avait fait. On va accélérer le temps. Là, on a fait nos barricades. Les ennemis approchent. Le monde cruel du tout petit. On attend. À l'attaque! Trouvez un point de vue en hauteur pour observer les environs. Si vos ouvriers sont attaqués, elles seront interrompues et arrêteront de collecter du bois. Appuyer. Ouais, c'est pour sélectionner toutes, envoyer toutes vos légions dans le nid pour se faire soigner. Ok. Défendez votre région contre les légions termites. À vous savoir. On ne peut pas les laisser venir foutre la zizanie chez nous. Donc, après, faut qu'on aille tous là-bas. Ok. Envoyez vos légions.
Victory. Bon, bien sûr, c'est la démo. C'est pas le jeu fini. Le sport bouclier est le seul pouvoir qui ne peut pas remplacer ou être remplacé par un autre pouvoir. Takuka, Tayukan. Elle est où ma liaison? C'est où mes légionnaires? Oula. Ah, parce que l'eau là, water is dead. Salutations. Toi, tu n'es pas du coin, laisse-moi voir. Ah, belle Okan. Tu es ici pour voir la reine. C'est la 9615e fourmi, celle à qui je parle. Suis la colonie de fourmis, celle avec de la nourriture. Elle te conduira jusqu'à Tayuni, notre reine adorée. Puis-je te parler de l'odeur étrange que tu as sur toi? Ça provient d'une expédition dans la forêt, une anomalie. Feuilles séchées collées par une résine extraordinaire, un parfum de la vieille mousse et un zeste métallique. Ce parfum ne me quitte plus, je le porte comme une preuve de mon courage. Quel intérêt, 103 683. Putain, je suis loin hein, dans la hiérarchie. Ma cité se meurt. La priorité est de déplacer le plus de sœurs et d'œufs possible loin d'ici. Rien à signaler? Non, tout le monde est très occupé à Tayuni. Doit attendre. Elle sera heureuse d'apprendre que Belokan ne l'a pas oublié. Merci pour ton aide. On est parti. C'est joli, hein? Pérou. Parlez avec Tayuni. Aide bienvenue. Qui es-tu? Approche-toi, laisse-moi te sentir. Belokan a envoyé de l'aide que ta mère Belo. Kiuni soit loué. La situation est critique, l'inondation ne faiblit pas. Aide tes sœurs de Tayukan avant que la cité ne soit détruite. Attends. N'est-il pas moyen d'arrêter l'inondation? Arrêter l'inondation? As-tu oublié que l'eau est notre pire ennemi? Jamais rassasiée, elle creuse, elle rampe, elle s'infiltre. Non, Tayukan est perdu. Un exode est notre seule chance. L'idée de l'origine de l'inondation? Nous avons vécu de nombreuses saisons ici. Cette inondation est une première. Il est trop tard pour Tayukan. Enquêter sera une perte de temps. Notre priorité est de sauver les ressources de la cité. Et tous mes enfants. Je sauverai vos filles, reine Tayuni. Ah oui, c'est vrai qu'il faut rester appuyé. C'est joli l'image. Oui, c'est moi qui bouge là. Mais je peux pas rentrer dans la fourmilière. Moi, je voulais voir dans la fourmilière. Alors. Voilà, on est arrivé jusqu'ici. On avait fait juste le début. Et maintenant. On va aller voir la bouteille. Bah, ça fait des bons comme ça. Point d'intérêt découvert. Ça ferait vraiment des bons aussi énormes les. J'ai jamais vu de fourmis sauteuses. Parler avec 151e. Putain. Yeah. Un gros chiffre lui. Oh non, et 151e. Laisse-moi toucher tes antennes. Oh, que d'histoire, que d'aventure.
Je suis sûr que tu collectes tout, n'est-ce pas? Pourquoi vouloir tout posséder? Bonne question. Je ne sais pas exactement. C'est seulement ma reine m'autorisait à avoir une pièce à moi pour tout collecter. Tu te sens bien? Je suis différente. Je sais, je suis toute seule. J'ai une passion que personne ne comprend. Je collecte des objets, des cadeaux pour ma reine, des souvenirs. Comment ça, je collecte tout? Il y a tant à collecter dans le monde. Une feuille, une pierre, une gouttelette de miel. Parfois, j'aimerais pouvoir collecter tout, absolument tout. Je dois te laisser. C'est tout? Ok. Bah, on verra. Bizarre, c'est une fourmi, ça. Pas une fourmi, ce truc-là. Parlez à Pussy. Objet à collectionner, Taïukan. Salut, Taïukan. C'est un endroit tellement charmant. Mais devait devenir et d'aider avec après la calamité qui s'est abattue ici. Merci pour ton aide, ma sœur. Ok. Pourquoi il a des cartes sur lui, il collectionne des trucs. Ok, bon. Ok, ok. T'es où? Parler avec 230.196. Une porte de sortie. Une sœur de Belaokan. Quand mère nous a dit que vous étiez en chemin, une vague de joie a parcouru la cité. Mais je m'égare. Nous avons besoin de votre aide pour ouvrir une voie d'évacuation en plein territoire termite. Des avant-postes taïukaniens sur la route? Un seul, pas en très bon état malheureusement. Peut-être qu'en renforçant notre présence militaire, oui. Bien sûr, cet avant-poste peut faire la différence, 103.683. N'y a-t-il pas moyen de négocier une paix avec les termites? Par le passé, nous avons eu des pactes difficiles. Mais l'inondation a tout balayé, ils sont devenus agressifs et désespérés. Nous avons besoin de cette voie. Nous devons protéger mes sœurs, par n'importe quel moyen. Une voie d'évacuation, quel danger? Les termites ont de nombreux avant-postes le long de la route. Nous avons hésité avec d'autres voies, mais celle-ci nous semble le plus sûre. Je pars en mission. Ah ouais, cache comme ça? Ah merde, moi je pensais que c'était sur le terrain direct. Lorsque vous êtes à l'envers, vous pouvez décider de tomber en appuyant sur espace. D'accord. Ok. Alors. Légion. Non, non. Oh, j'ai failli détruire. Un truc pas tout de notre tête. Les bombardeuses. Quoi ça? Info. Entraînement d'éclaireuse. Augmente votre endurance maximum. Sa régénération et sa vie de 50%. Cette amélioration ne peut être construite qu'une seule fois. Antenne affûtée. Augmente la portée de détection de légion et permet ainsi de découvrir des ennemis et des nids plus éloignés. Ça améliore. Ça ne peut être qu'une seule fois. On n'a pas ce qu'il faut. C'est quoi? Phéromone de vitesse. Augmente la vitesse des légions de 80% pendant 12 secondes. Ouais. J'aimerais bien les bombardeuses. Guerrir d'élite. Ah, faut qu'on récolte des ressources. Ok. Alors, construisez un laboratoire chimique. Ok, laboratoire chimique. Photographe, traîtresse, de la futée.
Transport bouclier. Appel de renfort. Laboratoire chimique. C'est où ? Cartographe, infiltrateur. Ferme à champignons. Laboratoire chimique. Il nous faut des pines de pin. Ok. Identifier les ressources. Il va entrer dans la bestiaire guêpe. Ok. Une légion de super prédateurs pour écraser les ennemis, construire une... Ouais, mais on n'a pas là pour l'instant. Il nous faut des pines. On a vu un bouquin dans la vie de toutes les légions touchées. Ok. Artilleuse de nid. Du 10 bois par minute, ah, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut du bois. Une 10 nourriture par minute. Gendarme.
Pas avoir le choix. Ça aurait été assez nombreux, hein. Ce meilleur auteur et regarde ses troupes décimer l'ennemi.
Faut que j'agrandisse mon stockage. Faire des partages de ressources. Pourquoi ça sert à nous cacher? Allez, ça, allez, ça là. Ah, c'était des ennemis en fait depuis le début.
Ok. Ah merde, ah, ça bouffe mes pines de pain. Ah les enfoirés. On a plus une pine de pain. C'est quand même marrant, hein. C'est cru, je, la colonie de fourmis. Elles viennent de loin, ouais. En exploration. Attends, je suis tout seul, ça va. En fait, dès qu'il y a des troupes, là, c'est le chaos. Il faut cette base. Il faut qu'on prenne cette base. Comme ça, on sera à côté de la poire.
C'est notre troupe. Pour notre liberté. Formidable. Ah, ça va. Comment t'as la distance de tir des artilleurs? Oh oui, carrément. Tu es à distance, guerrier. Il nous faut des légions super prédateurs. C'est ça qu'il nous faut. La défense en construction. Les formules. Hein. Ta bosse. Par contre, on peut pas cacher la putain de fenêtre là. Ce serait cool que par la suite tu puisses voir dans la fourmilière et tout, comme genre même une vue vivarium, ce serait cool. Alors, ils retournent pas, vas-y, retournez là-bas là. Allez, allez, c'est parti là. Construire une légion de soutien. Légion de soutien. Légion de soutien. Puceron de soutien.
pas de légion de soutien. Créer une horde de pucerons rattachés à ce nid. Pucerons renforcés, troupes alliées à proximité faible contre tout type de fourmis. Ok. On a remboursé 50% des prix d'achat quand la chambre est détruite manuellement. Ah non, c'était squad, je lui dis putain, c'est quoi cette attaque? C'est notre squad! Regarde-moi ça. Les premiers retournent là-bas, nickel. Eh ben les amis. Il est temps d'aller conquérir. Ah, moi c'est tank, c'est des tanks. C'est trop en position. Chargé. Puceron de soutien. Thank you.
the rage. La guerre. Moi, tous ces cops, tous ces gendarmes. Légion de soutien. Guerre d'élite. C'est quoi les gens de soutien? Je les vois pas moi les gens de soutien là. Guerrier. S'affiche les armes construites ainsi que l'état de la légion dans l'ennemi ennemi que vous ciblez. Roman de vitesse pendant 16 secondes. En 2 secondes.
pouvez détruire le quartier général des termites. C'est l'assaut final. Position. Une minute trente pour venir ici. On attend, c'est pas grave. Ça fait les scarabées là. Alors, position. On tient les positions. On dirait des dinosaures, les scarabées là. À l'assaut, c'est la guerre. Tenter une percée sur le côté. Puceron de soutien.
le dernier quartier général ici. Attaque!
Nous voici victorieux. Bon, alors, on aurait pu détruire la dernière. Il y avait un dernier ennemi, mais bon, je pensais pas que ça allait couper. Non, ça va, franchement. C'est assez prenant. Le JCJ, tout ça, ouais, ça peut être drôle. Hein. Voilà. À voir. En tout cas, c'était marrant. C'était joli. C'était bien foutu. Donc voici pour Fourmi the Ant. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao!